Bonsoir Monsieur Boutria, merci encore d'avoir accepté notre invitation aux Journées de la Jeunesse Marocaine pour un interview vérité. Je vous rappelle le principe. Chaque année, l'ANG invite une personnalité marocaine éminente qui a marqué les Marocains. Au cours de cette interview, l'invité se révèle en racontant son parcours académique, ses projets réalisés et les défis de son métier. Le tout en apportant à l'audience de l'espoir et de la confiance. Le thème de cette édition des JGM et une jeunesse au cœur de l'action. Et vous, Monsieur Boutria, vous avez l'action à cœur. L'action politique, l'action économique, l'action sportive, l'action entrepreneuriale. Monsieur Boutria, vous êtes notre invité ce soir. Êtes-vous prêt à jouer le jeu? Tout à fait. D'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation et vous dire que je suis extrêmement honoré d'être avec vous ce soir dans cette salle emblématique. Où on est à la rencontre de jeunes étudiants et étudiantes marocains et marocaines installés à Paris. Je suis d'autant plus ravi qu'il y a beaucoup d'actualités en ce moment au Maroc et je jouerai parfaitement le jeu, donc je répondrai à toutes vos questions. Merci. Alors, qui êtes-vous, Monsieur Boutriat, Monsef ou Haz Monsef? Non, je suis Monsef. Ça n'empêche pas que j'ai des hajj, donc j'ai fait le hajj deux fois, et que j'ai fait plusieurs omras, mais ça c'était un concours de circonstances du fait que j'ai vécu 4 ans en Arabie Saoudite, à l'âge de 26 ans, c'était en 1996, où je travaillais pour P&G, et c'était une expérience formidable, tant sur un plan professionnel que sur un plan spirituel. Merci beaucoup. Donc conclusion, Monsef. D'accord, Monsef. Donc Monsef, vous êtes un badi, vous êtes le fils d'un brillant avocat et l'aîné de 5 enfants. Que pouvez-vous nous dire sur votre enfance et l'impact qu'elle a eu sur le Monsef d'aujourd'hui? Alors, je suis né à Rabat, mais je suis originaire de Fès. Je ne pense pas que les Rabatés acceptent que je dise, je puisse dire que je suis Rabaté. Mais bon, au Maroc, je pense que c'est un problème sérieux qu'il faudra à un moment ou à un autre confronté. Je pense qu'on est tous marocains de différentes cultures, de différents backgrounds, et que nous avons un ciment, et j'en suis profondément convaincu, qui est le ciment de la monarchie et qui fait que le Maroc reste un pays séculaire et un pays particulier. Et il l'a prouvé de par les événements qui ont eu lieu en 2011 sur l'ensemble du monde arabe, et par le fait que le système marocain aujourd'hui fonctionne. Alors maintenant, je suis l'aîné d'une famille de 5 enfants. Effectivement, mon père était avocat ici à Paris. Il a été dans cette salle à plusieurs reprises. C'était dans les années 60, 70, où dans cette salle, on discutait beaucoup de politique. Il y avait beaucoup de bagarres, il y avait beaucoup de débats. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était une salle emblématique. Je pense que la plupart des responsables politiques qui sont passés dans les formations politiques, qui sont passés dans les différents gouvernements du Maroc, ont été formés dans cette salle. Et quelque part, il faudrait qu'on puisse se projeter, puisque vous avez de la chance, comme l'a dit son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, d'être dans un système qui, aujourd'hui, est un système à l'international, lauréat de grandes écoles. Donc, techniquement et statistiquement, hein, vous aurez une voie d'accès facile par rapport à beaucoup de choses, parce que dans votre vie, vous êtes passé par différentes sélections, et donc vous êtes déjà sélectionné par le système. Par conséquent, la prochaine étape, c'est d'intégrer le monde du travail et ensuite choisir sa voie, que ce soit une voie dans la vie corporelle ou dans la vie entrepreneuriale ou même dans la vie politique, mais qui, certaine, sera jalonnée de succès. Donc, si on se projette en net present value par rapport à chaque individu que nous sommes dans cette salle, on sera dans 20 ans, dans 30 ans de grands responsables. Et c'est ça ce qu'il faudrait qu'on puisse savoir faire, savoir anticiper. Et la plupart des gens ne savent pas anticiper. C'est tout simplement prendre une feuille Excel et se dire, si on se projette sur 30 ans, qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on va être. Et en même temps, qu'est-ce qu'on a envie d'être. Et ensuite, faire le couple de ce qu'on a envie par rapport à ce qu'on veut. Et tous les ans, mesurer où est-ce qu'on en est par rapport à cet objectif qu'on s'est créé et qui s'appelle tout simplement se fixer une vision dans la vie. Merci. Donc, de prime abord, on parierait que vous êtes un pur produit d'une des grandes écoles françaises ou d'une prestigieuse. Absolument pas.
ou d'une prestigieuse université américaine? Non plus. Pas du tout, voilà. Vous avez opté pour l'ISCE. Pourquoi ce choix? Alors, d'abord, je suis un pur produit de l'école marocaine. J'ai fait des études secondaires au lycée d'Al-Salam à Rabat. Et c'était à l'époque où l'enseignement était bilingue. On enseignait donc les langues littéraires et les langues scientifiques en langue française. Et puis on faisait un peu d'anglais à partir de la seconde, de la cinquième année secondaire. Et ensuite, j'ai eu mon bac à l'âge de 18 ans. Je pouvais partir à l'étranger. Et j'ai eu la chance de réussir au concours PISCAE. On était 10 000 candidats et ils en avaient pris 180. Et comme j'ai toujours rêvé d'être un businessman, j'ai choisi de faire l'ISCAE en se disant qu'après l'ISCAE, j'allais continuer mes études à l'étranger pour faire un troisième cycle, comme on disait à l'époque. Mais malheureusement, à l'âge de 21 ans, troisième année de l'ISCAE, j'ai travaillé chez P&G et j'ai réussi à décrocher un test pour lancer les activités de Tide, type la lessive, dans le monde rural, dans les souks. Et finalement, Procter m'a demandé de rester travailler avec eux et j'ai continué avec Procter. Donc, j'ai commencé ma vie professionnelle très jeune, à l'âge de 21 ans. Et ce n'était pas plus mal parce qu'en fait, mon vrai MBA, je l'ai fait chez P&G. Ce que je voudrais dire, c'est que je ne remercierai jamais mon pays et le système d'éducation marocain de m'avoir donné la formation qu'il m'a donnée, qui était à l'époque une formation équilibrée, ouverte, où il y avait un débat, on faisait de la philo, on pouvait critiquer à l'époque. A contrario, aujourd'hui, je le dis parce que je suis aussi un homme politique, le système d'éducation nationale actuel est juste une catastrophe. Et je suis parfaitement d'accord avec son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, quand il dit que le vrai défi, c'est l'éducation. Et qu'aujourd'hui, il y a la généralisation de l'éducation à l'âge de 7 ans. Et le vrai problème, c'est que l'enfant maroc ne va à l'école qu'à l'âge de 7 ans. Et entre 3 et 7 ans, au moment où l'enfant se constitue en termes de plateforme, en termes de système de valeurs, savoir-vivre, savoir-être, l'enfant est dans les couloirs d'immeubles sociaux, sans être éduqué et sans être aidé à aiguiser son sens de la curiosité, son sens de la sociabilité. Donc je pense sincèrement que le défi va au-delà de la généralisation de l'enseignement, le défi va sur la généralisation de ce que j'appelle le pré-scolaire. Et je connais bien cette question parce que quand j'étais ministre de la Jeunesse et des Sports, on a l'impression qu'on faisait du sport, mais la réalité c'est qu'on s'occupe aussi un petit peu de la jeunesse. Et il est bizarre de vous annoncer que c'est le ministère de la Jeunesse et des Sports qui s'occupe en fait du pré-scolaire au Maroc dans le cadre de ses attributions, sans budget. Donc la problématique, elle est là, on en parle, on est les champions du diagnostic, mais on n'agit pas. Et j'attends avec impatience ce que cette commission d'enseignement va dire. Mais en tout cas, moi j'ai mon avis sur la question. Je pense qu'il y a péril dans la demeure et que si on n'agit pas tout de suite, ça va être une catastrophe. Et de toute façon, même si on agit tout de suite, les résultats, on les aura que dans 10-15 ans, 20 ans. Et donc, il faut se bouger très vite par rapport à ça. Donc, je suis dans la majorité parlementaire du gouvernement, mais je fais aussi un peu d'opposition de par l'idée et l'objectif de créer un débat. Ça ne veut pas dire que je suis contre l'action du gouvernement, mais je suis un homme politique qui veut que son pays avance, et je considère que sur cette question, notre pays n'avance pas. Après l'ISCAE, vous avez rejoint Procter & Gamble au Maroc, qui a seulement 26 ans. Avant. D'accord. Voilà. Donc, avant votre sortie. Je vais vous raconter une histoire. J'étais en troisième année d'ISCAE. À l'époque, c'était 4 ans. Et on devait faire un stage en janvier-février, qui était le stage final. Et donc, il y avait les vacances de décembre. Et à l'époque, Ramadan, c'était en novembre. Et donc, pendant Ramadan, à l'ISCAE, on travaillait pas mal. Et donc j'ai réussi mes partiels en juin, et donc je me suis dit juin, juillet, août, septembre, on reprend en octobre, novembre il n'y a pas cours, décembre c'est 15 jours de cours, janvier, février c'est le stage, tu as du temps, essaye de décrocher un job à mi-temps.
J'ai essayé de passer des entretiens, d'abord Macro, qui était une chaîne de distribution qui s'est installée, qui recrutait bras le corps. J'ai passé les entretiens, je suis arrivé jusqu'à l'entretien final avec le directeur général à l'époque, qui, quand il a découvert que je n'étais pas encore diplômé, m'a juste viré de son bureau. Ensuite, une banque, je ne la citerai pas, mais qui m'a dit « Nous n'avons pas dans notre système la possibilité de recruter un jeune qui n'est pas diplômé. » Et enfin, Procter & Gamble, qui m'a recruté sur la base d'un contrat de stage d'un an, et qui par la suite m'a recruté. Et donc, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai commencé à travailler avant d'être diplômé. Une fois que j'ai été diplômé, j'ai eu un contrat, un CDI. Donc, en ce qui concerne ce CDI, donc vous rejoignez Procter & Gamble au Maroc, puis à 26 ans seulement, vous êtes nommé directeur régional en Arabie Saoudite. On a envie de dire, qui te tient là ? Ouais. En fait, j'ai fait un an dans les souks marocains. Il y a 800 souks au Maroc. Le souk, c'est un endroit où tous les jours de la semaine, les acheteurs et les vendeurs se retrouvent pour commercer. Ça représentait à l'époque 53% de la population et 42% du business national. Et les clients souquiers faisaient des souks de chaque région. Par exemple, si on prend la région de Casablanca, de Jdida, où il y a des grands souks, il y a Tnin Chtouka, Tled Sidi Bendor, Larba Laounet, Khmis Zmemra, et Jmaat. Sahin. Là où il y a des beaux. Bravo. Pourquoi je parle de ça? C'est tout simplement pour comprendre que nous devons tous et toutes avoir un ancrage par rapport à notre pays. Et c'est important. Et en fond, une fois qu'on comprend la dynamique qu'il y a dans le monde rural, il est très facile de comprendre la dynamique du monde urbain. Ensuite, j'ai été nommé en charge de la gestion de la relation entre le marketing de Procter et les ventes de Procter. Et c'est là où j'ai aimé les ventes. Et j'ai décidé de passer en vente. Je suis passé responsable des ventes régionales à Rabat. Et là, j'ai dû passer 3 mois dans un camion, où j'ai vendu dans un camion. Et beaucoup de mes copains me disaient, mais t'es fou, monter dans un camion alors que tu es diplômé, etc. Et c'était là une autre expérience extrêmement formatrice de PNJ. Et ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir gérer les agences de Rabat et d'Agadir. Et c'est là où, pour la première fois de ma vie, j'ai dû à gérer des hommes. Parce que dans le début de votre carrière, vous gérez des business, vous gérez des projets, mais à un moment dans votre carrière, vous commencez à gérer des hommes et des femmes, ce qu'on appelle build organization. Et c'est extrêmement important pour pouvoir se développer. Parce qu'on ne peut pas se développer si on ne développe pas les autres. Et quand on est dans une culture qui est promotion from within, c'est-à-dire que chez Procter, on ne recrute pas d'extérieur. Tout le monde rentre à la base. Et la culture qu'il y a, c'est qu'il faut former ses équipes. Et si tout le monde a cette mentalité de former ses équipes, l'organisation monte. Et il y a un système qui est simple. C'est un système qui est de courbe de carrière et qui permet d'être up or out. Et donc, à Parfait, Agadir, donc Rabat et Agadir, Procter a considéré au niveau de ses ressources humaines que j'étais un jeune à potentiel. Donc, à 26 ans, je suis parti en Arabie Saoudite pour être directeur régional de la partie ouest de l'Arabie Saoudite, Muntaqal Gharbiya. Donc j'étais en charge de Jidda, de Medina, de Mouka, etc. Et c'est là où je suis devenu Hajj. Et ensuite, 2 ans plus tard, Procter m'a nommé Business Development Manager pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Et c'est là où j'ai eu la chance de pouvoir lancer le business de Procter dans 7 pays qui sont l'Algérie, la Tunisie, la Libye, la Jordanie, la Syrie, l'Éthiopie et surtout la Palestine. Et donc c'était des expériences exceptionnelles qui, à mon sens, ont éveillé en moi le sens entrepreneurial parce qu'il fallait partir dans ces pays. J'avais 27 ans. Il fallait chercher un distributeur pour Procter. Il fallait trouver le sourcing des produits Procter, ce qu'il fallait lancer de la lessive Ariane ou des shampoings Pantene ou des couches Pampers ou des couches Always. Et donc toute la problématique de pouvoir choisir ce qu'on appelle donc le portfolio de produits, trouver le distributeur
et surtout mettre en place les éléments de publicité, de marketing pour pouvoir créer la jonction entre le consommateur et le distributeur. Et donc, j'ai fait ça dans 7 pays, et c'est à partir de là que j'ai éveillé en moi donc, l'envie de devenir entrepreneur. Merci. L'Arabie Saoudite n'a pas dû trop vous plaire, puisque quelques années plus tard, vous rentrez au Maroc et vous êtes nommé vice-président de Medidal, en charge du marketing et des ventes. Et donc, je rappelle le contexte, on est en 1999, le Marocain ne connaît rien au téléphone portable. Comment vous parvenez, monsieur Monsef Boukriat, à introduire cette nouveauté dans le quotidien des Marocains? Bon, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des modes. Pour vous, les modes, il y a 20 ans de mon temps, la mode, c'était d'intégrer Procter au Coca-Cola. Ensuite, on est passé par la mode qui était celle d'intégrer les grands cabinets de conseil. Ensuite, on est passé par la mode qui était d'intégrer les grandes banques et faire du trading et de partir à Londres. Et en ce moment, la grande mode, c'est de lancer des boîtes internet et de lever du financement. Donc il y a toujours des vagues qui sont liées à l'économie mondiale et qui font qu'il y a des tendances. Alors c'est très simple, j'étais jeune, 29 ans, dans une zone dollar. À l'époque où le dollar était très fort, et la mode c'était de passer d'une zone dollar à une zone euro parce que tout le monde disait et prédisait que c'était l'euro qui allait reprendre le flambeau, et en même temps passer de ce qu'on appelle the old economy à the new economy. Et donc je devais chercher pour ma carrière de l'oxygène pour pouvoir avoir un tremplin. Et en fait, c'est dû au fait que la culture P&J, qui est une culture exceptionnelle, c'est une culture où si on passe plus de 10 ans chez P&J, c'est fini. Vous êtes dans une cage dorée, vous avez des salaires, des bonus et des stock options, ce qui fait que vous n'allez plus jamais partir. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, quand on est dans les ventes et qu'on est directeur commercial, on ne peut pas devenir general manager. C'était très, très rare. Seuls les gens qui étaient issus du marketing à l'époque pouvaient y arriver. Et donc, je savais qu'à terme, je devais partir. Donc j'ai été contacté par un chasseur de tête espagnol qui travaillait pour Telefonica et qui était l'actionnaire principal de Meditel pour me demander de le rejoindre. Et j'ai négocié pendant 4 mois, donc entre novembre 1999 et 2000, mars 2000. Donc j'ai intégré Meditel en mars 2000. Mais il y avait plusieurs raisons. La première raison, vous n'allez pas me croire, mais la première raison c'est que je voulais rentrer à côté de mon père. Parce que j'avais pas de très bonne relation avec mon père. Et donc j'avais peur qu'il meure. Et que s'il mourait, que je sois pas là. C'était la, une des raisons. Une deuxième raison, c'est que mon épouse est médecin. Elle voulait aussi avoir une carrière. Et donc j'étais marié. Et donc vivre dans l'expatriation de pays en pays. En sachant que Procter nous avait proposé d'aller à Genève, dans son headquarter européen. Faisait qu'il n'y avait pas aussi de carrière pour elle. Et la vie d'un couple, c'est deux personnes. Donc on a longuement parlé, et c'était une décision consciente que celle de rentrer au Maroc pour nous installer au Maroc, faire des enfants au Maroc, créer notre, entre guillemets, infrastructure familiale au Maroc, à côté de nos parents. Donc c'était un petit peu ça qui nous a poussé à rentrer. Et le projet Meditel était un superbe projet, donc il fallait juste bien négocier. Ça a pris 4 mois, mais le résultat était bon. Néanmoins, un an après votre arrivée chez Meditel, vous partez aux États-Unis pour revenir sur un banc de l'école et obtenir un MBA de la Harvard Business School. Dites-nous en plus. Alors, ce n'était pas un MBA, c'était un Senior Executive Program. C'était 14 semaines. C'était entre 2002 et 2003. Donc, c'était à peu près 2 à 3 ans après. Et en fait, mon secrétariat, il est un peu spécial. Hein. Donc j'avais fait une interview à l'économiste et la dernière question du journaliste, c'était quoi votre ambition, votre vision? J'ai dit, je veux devenir directeur général de Meditel. Et donc le lendemain à 8h, le directeur général me convoque dans son bureau. Il s'appelait Ramón Anciso, il était espagnol, travaillait pour Telefónica pour de longues années. Il devait avoir 60 ans et j'avais 30, 32. Et il m'a dit, est-ce que tu as dit ça? Et je le regarde, je dis oui, j'ai dit ça. Il me dit, tu veux prendre ma place? Je dis oui, je veux prendre ta place. Peut-être pas tout de suite, mais dans quelques temps.
mais mon ambition est claire. Il me dit, ok, tu as besoin de faire un MBA. Il appelle le directeur des ressources humaines. Il me paye un MBA à 26 000 dollars, exécutif 13-14 semaines, à HBS. Et en fait, c'est ce qui a un petit peu changé le cours de ma vie, parce qu'en rentrant de HBS, d'abord, j'ai rencontré des profs d'une qualité juste exceptionnelle, qui ont une vision du monde complètement différente et qui m'ont fait adorer l'entrepreneuriat. Donc, en rentrant, j'ai décidé de devenir entrepreneur. Donc, c'était une décision consciente qui était celle de quitter le salariat à l'âge de 32 ans et de devenir. C'était très compliqué parce que le jour où j'ai ramené un agent immobilier pour vendre la maison où on habitait, ma femme et moi, elle m'a dit, qui c'est? J'ai dit, c'est un agent immobilier. Elle me dit, pourquoi faire? J'ai dit, c'est pour vendre la maison. Elle me dit, écoute, tu peux vendre ce que tu veux la maison. Tu ne la touches pas. Et si tu veux la toucher, c'est toi qui quittes la maison. J'ai dit, ok. Et donc, c'était un vrai débat, encore une fois, une décision pareille, qui est de devenir entrepreneur ou pas. Hein. C'est encore une fois, pas une décision individuelle, mais une décision de famille. Donc aujourd'hui, vous êtes dans la majorité, j'imagine, célibataire. Mais sachez que dans quelques temps, vous allez devoir prendre des décisions aussi en fonction de votre conjoint et en fonction de votre belle-mère, si vous êtes garçon. Mais c'est très sympa. Et sinon, beaucoup de jeunes Marocains, peut-être même ici présents, veulent faire un MBA. Qu'avez-vous à leur dire? Alors, ma recommandation, je connais un petit peu ce qui se passe dans votre tête, c'est, allez, diplôme en France, rester 2-3 ans, faire une nationalité, et ensuite trouver un job quelque part en Amérique du Sud, en Chine, et ensuite peut-être rentrer, et on se marie à 28-30 ans. C'est un petit peu la nouvelle tendance. Yeah. D'accord. Alors, ma recommandation est très simple. C'est de faire un MBA. Il vaut mieux le faire en entreprise. Travailler le plus tôt possible. Je pense que vous voyagez trop, vous éclatez trop et vous perdez beaucoup de temps. Et vous êtes une génération qui n'arrête pas de sauter d'un job à l'autre. Alors que nous notre but, c'était de rester le plus longtemps possible à Brooklyn. Bon, je comprends qu'on veuille découvrir des choses. Je comprends qu'on veuille devenir riche vite. Mais je suis sincère en vous disant qu'il y a un minimum d'expérience pour avoir plus de chances de s'enrichir et de réussir. Et pourquoi? Parce que tout simplement, on est dans une culture où quand on est jeune, on a votre âge, et on voit un petit peu ceux qui ont réussi, on peut se dire qu'il a réussi parce qu'il est pistonné, parce que c'est l'économie de rente, tout ce qu'on voit dans les journaux, dans Twitter, etc. Mais la réalité, c'est que plus on a de l'expérience et plus on a des chances de rencontrer des gens et plus on a l'expérience de prouver notre capacité à des gens. Dans ma vie d'entrepreneur, et j'imagine qu'on en parlera, parce qu'aujourd'hui je gère quand même un groupe de 15 entreprises qui va faire cette année 2 milliards de dirhams de chiffre d'affaires, celui qui m'a aidé pour réussir, il est là. Il s'appelle Laurent Philippe. Il était directeur général au Maroc et il m'a recruté en 1991. Vous connaissez un petit peu ce que j'ai fait, mais lui, Laurent Philippe, quand il est venu au Maroc et qu'il m'a recruté, juste après, il a été promu chez Procter & Gamble en Russie. Et c'est lui qui a géré le succès de Procter & Gamble en Russie après la crise du rouble de 1996. Et après, il a été promu président de Procter & Gamble en Chine. Et après, il a été promu groupe président Procter & Gamble, Europe, Afrique, Moyen-Orient, Europe de l'Est. Numéro 4 de Procter & Gamble. Mais c'est avec lui que j'ai signé mes contrats de distribution avec Procter & Gamble. C'est avec lui que j'ai signé mes contrats dans différents autres segments de Procter & Gamble, notamment dans la com et les médias, dans lesquels on opère aussi. Alors,
on peut se dire c'est du piston. Moi je considère que c'est pas du piston, c'est du networking qui dû au fait que de par ma relation avec lui, j'ai prouvé ma capacité à délivrer, j'ai prouvé ma capacité à être sérieux, droit, et lui a cru en moi en tant qu'employé et ensuite en tant qu'entrepreneur. Et donc c'est la jonction de deux personnes qui ne se connaissent pas, qui n'ont absolument aucun intérêt et qui créent de la valeur pour les consommateurs tous les jours. Et on peut en débattre. Et j'en ai connu d'autres dans ma carrière. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est tout simplement parce que quand on reste dans une boîte, qu'on délivre, qu'on prouve notre capacité à délivrer, notre sérieux, on rencontre des gens. Et dans la vie, il y a plein d'opportunités. Et si vous réfléchissez comme des consultants avec un axe temps et un axe opportunité, il y a quelque chose qui s'appelle préparation. À quel moment on est préparé pour faire le saut? C'est comme un surfeur qui doit prendre une vague. C'est comme un jumper sur un cheval qui doit sauter un obstacle. Et la vie et la carrière, ce n'est rien d'autre que des obstacles qui permettent de sauter d'un niveau à un autre. Et donc, je pars du principe qu'il est important, pour répondre à votre question, je serai court, de travailler le plus vite possible. Et une fois qu'on a 4-5 ans d'expérience, aller faire un MBA. Et préférablement dans un environnement anglo-saxon. Pourquoi? Parce que l'environnement anglo-saxon encourage la prise de risque, encourage l'entrepreneuriat. Et en fait, quand on travaille tôt, à 24-25 ans, qu'on a travaillé 4-5 ans et qu'à l'âge de 30 ans, on va faire un MBA, on est prêt à 32 ans à devenir entrepreneur. Et l'environnement anglo-saxon a l'environnement nécessaire pour pouvoir créer et aider des entrepreneurs, des business angels, des forums pour mettre en contact des jeunes étudiants qui ont des idées et des projets avec des investisseurs. Et surtout, la culture d'accepter l'échec. La première question qu'on vous pose quand vous ramenez un concept et un business plan: how many times did you fail in your life? Ici, en France, quand on dit qu'on a subi un échec, on réfléchit, on prend du temps, on vous reconvoie pour un autre entretien. Chez nous, au Maroc, on vous vire. C'est un chouma d'avoir failli. C'est pas bien. Dès lors qu'on a failli, on n'a plus de chance. Et donc, il y a un vrai problème culturel par rapport à l'entrepreneur. Et ce problème culturel, il est au niveau de l'environnement, il est au niveau de sa famille, la fameuse belle-mère dont on parlait tout à l'heure, mais aussi des banquiers et du système bancaire. Mais on en parlera parce qu'il y a eu aussi des expériences qui ont fait que les banques ont été un petit peu induites en erreur et déçues. Mais on en parlera parce que bon, le premier concept de l'entrepreneuriat bancaire au Maroc, c'était le projet du jeune promoteur et ce n'était pas une histoire qui était positive. Les process étaient mal gérés à l'époque et qui a fait qu'il y a eu des dommages collatéraux. Je ne suis pas trop long? Non, pas du tout. Pas du tout. Et vous démissionnez de Meditech pour créer ATECOM, une entreprise spécialisée dans la communication avec le groupe FinanceCom de l'incontournable Atman Dujulo. Qu'est-ce qui vous a poussé à démissionner? Pourquoi s'allier à Atman Dujulo? Parce que c'est Kobe. Atman Dujulo, c'est pour moi l'un des modèles de l'entrepreneur au Maroc. Kobe, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a plus de 80 ans et qui continue à créer de la valeur chaque heure de son temps et qui travaille en s'amusant. Tout ce qu'il fait, il le fait avec plaisir. Et autant j'ai appris beaucoup de rigueur, la méthode, l'esprit synthèse, l'esprit du résultat chez P&G, autant chez Obé, chez le président, comme on l'appelle dans le groupe, j'ai appris une seule chose: travailler avec plaisir, avec passion. Chaque minute qui passe est une minute qu'on croque, parce qu'on fait les choses avec passion. Et
quand on travaille, quand on vit avec passion, chaque entrepreneur faillit. Heureusement qu'on fait des conneries. Heureusement. Mais généralement, quand on y croit et qu'on le fait avec passion, généralement on réussit. Quand un entrepreneur, il agit, il fait 10 choses en un jour, il y a peut-être 5 choses qu'il réussit. Il y a 5 choses qu'il ne réussit pas. Mais la vraie question, ce n'est pas de le sniper sur les 5 choses sur lesquelles il a fait. Ce n'est pas de lui dire bravo sur les 5 choses qu'il a réussi. Absolument pas. C'est de calculer la valeur créée par les 5 choses qu'il a réussi et de calculer la valeur détruite par les 5 choses qu'il n'a pas réussi et de calculer le résultat net comptable. Et à partir de là, on répond à une question simple. Est-ce qu'il y a de la création de valeur ou pas? Othman Ben Jelloun est quelqu'un qui a créé beaucoup de valeur et qui est un entrepreneur modèle pour moi. Et donc, j'ai 2 modèles au Maroc en tant qu'entrepreneur. Othman Ben Jelloun et Moulay Fedaleh. Heureusement qu'il y a des modèles et donc j'espère pouvoir un jour les ressembler. Donc, la notion de modèle est une notion qui est importante. Il faut qu'on ait des modèles pour qu'on ait envie de faire comme. Des modèles au niveau du sport, au niveau de la culture, au niveau du cinéma, au niveau de tous les... Au niveau politique, il y a des modèles. Mais il est important qu'on se dise, au Maroc aussi, on a des modèles. Et qu'on ait envie, quand on est jeune, de faire comme eux et de réussir comme eux. Donc j'ai eu la chance de m'associer à ce moment-là. On a fait 3 projets ensemble. Il y en a 2 qui ont réussi, il y en a un qui était un échec total. Mais bon, on en parlera. Donc, au même moment où vous créez H&S, une holding dans la distribution et la communication, Mansef Belkhiat, le directeur, devient Mansef Belkhiat, l'entrepreneur. Pourquoi? Parce que à HBS, on m'a vraiment donné envie. Et je pense que ça a éveillé une vision que j'avais du temps où j'étais business development manager pour Procter sur l'Afrique Moyen-Orient, où j'avais envie de devenir entrepreneur. Maintenant, avoir envie de devenir entrepreneur, c'est sympa, mais encore faut-il pouvoir le faire. Il faut de l'argent, il faut du réseau, il faut la bonne idée, il faut le concept. Et la manière dont on l'a fait, c'est que en fait, on était une bande de copains, on était 8 ou 9 copains, on faisait des goûters tous les dimanches en famille. On était jeunes couples, jeunes familles avec des enfants. Et donc, on se retrouvait les dimanches. Et les garçons se mettaient ensemble pour réfléchir à des idées autour d'un café. Et on a réfléchi, c'était très dur. À chaque fois qu'il y avait une idée, il y en avait toujours 2 qui étaient d'accord et 7 qui n'étaient pas d'accord. Et en fait, l'idée, pour qu'elle devienne projet, ensuite pour qu'elle devienne un ouvrage, c'est un long fleuve tranquille. Et en fait, il y a eu une opportunité, et cette opportunité a fait que j'ai proposé de racheter une petite entreprise qui s'appelle Disloc à mes copains. Et mes copains ont dit oui, mais au moment où il fallait signer les cautions bancaires, il fallait signer pour 11 millions de dirhams de cautions bancaires au profit de Procter. Ce qu'on appelle des cautions conjointes et solidaires. Alors la caution conjointe et solidaire d'un point de vue juridique est une caution où tous les associés sont conjointement solidaires et la banque peut se retourner vers l'associé le plus solvable pour pouvoir récupérer son argent en cas de non-paiement. Donc mes copains ont décidé de ne pas y aller. Ils sont restés dans le salariat, ils ont réussi. Il y en a un qui est président de banque, Khalid Chemi, Société Générale Maroc. Il y en a un qui est président d'une société immobilière, le deuxième groupe public du Maroc, Badr Kanouni. Donc tout ça, c'était mes copains à l'époque qui finalement ont droppé l'idée, mais qui ont fait de très brillantes carrières en tant que soit commis de l'État, soit en tant que patron dans la vie.
d'une boîte corporelle ou d'une carrière corporelle. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des décisions dans la vie et des risques dans la vie qu'on prend de temps en temps. L'essentiel, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait. Donc, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit salarié, c'est pas un problème. Mais encore une fois, le plus important, c'est d'être passionné et d'être heureux dans ce qu'on fait et de réussir ce qu'on fait. Justement, vous choisissez d'investir dans le secteur de la distribution avec Disloc, qui est aujourd'hui leader au Maroc et qui se développe beaucoup à l'international. Patrick Lamour, mais c'est un secteur qui s'est fortement développé ces dernières années. Pourquoi ce secteur plutôt qu'un autre? Et comment il faut arriver à vous positionner en tant que leader? On a racheté cette petite entreprise qui s'appelle Disloc. Finalement, sur les 9, il y en a 2 qui ont marché. Donc, mes cousins, moi et moi-même. Et Disloc est une entreprise qui est le fruit d'une incubation, en fait, de l'ONA. L'ONA a décidé de se séparer de cette petite structure. Donc il y a 2 managers qui ont été incubés au moment où l'ONA avait vendu, je pense, Coca-Cola à une multinationale et aussi une brasserie du Maroc. Et c'était la naissance de Disloc. Donc on a pris 51% de cette structure qui à l'époque faisait 150 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Il y avait 20 camions en 2005. On a fait grandir cette entreprise à travers nos contrats avec des partenaires, puisque nous sommes des distributeurs exclusifs, soit sur des régions, soit sur des canaux, de grosses boîtes comme Procter & Gamble, mais aussi Nestlé, Pater, Haché, Kraft, des boîtes marocaines très belles comme Aïcha, comme Dari Koustak, etc. Nous sommes aussi des opérateurs logistiques, des opérateurs dans le transport, et on a garder tous les bénéfices de l'entreprise année après année pour renforcer nos fonds propres. Et quand les banquiers ont vu qu'on ne touchait pas un seul dirham de la société, si, on touchait quand même nos salaires, on s'est fixé des salaires, et on a eu la chance de faire entrer avec nous un fonds d'investissement en 2007, qui était donc le fonds de Hetman Mejnoun, de Financecom, et qui nous a permis de gérer avec une gouvernance transparente. Jamais en 10 ans on a pris de l'argent de la société à part nos salaires. Et donc quand les banques sentent que l'entrepreneur est sérieux et qu'il réinvestit ses bénéfices dans les fonds propres à travers des augmentations de capital par fonds propres, ben, le banquier vous aide. Et là je suis sérieux, je suis très sérieux. 80% de notre réussite de ce groupe au Maroc, c'est grâce aux banques. Parce qu'on a commencé au départ, je vais être très honnête avec vous, avec 1,5 million de dirhams. C'est-à-dire, j'ai travaillé en tant qu'expatrié au Moyen-Orient avec un salaire sans taxes. Je suis rentré au Maroc avec un salaire d'expatrié, avec des bonus, avec des stock options de 91. Et je n'ai lancé mon activité qu'en 2005, donc 14 ans de travail. J'avais une maison avec un crédit, et j'avais 1,5 million de dirhams cash, c'est-à-dire 130 000 euros. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et donc les banques ont joué un rôle exceptionnellement positif, parce qu'elles ont senti qu'elles avaient en face d'eux des entrepreneurs sérieux. En sachant que sur d'autres dossiers, on a failli. Hein. En même temps, il y avait le projet Hanouti, il y avait d'autres projets, etc. Donc il y avait des choses qui marchaient, d'autres qui ne marchaient pas. Et la banque savait faire la part des choses, dossier par dossier, entreprise par entreprise. Donc au début avec la banque c'est dur, mais une fois que ça roule, c'est plus facile. Ensuite, on a diversifié nos activités et on s'est lancé dans la com et les médias. Et encore une fois, on a signé avec des multinationales. Donc, dans la com, on a signé avec la marque Grey, qui est une agence de publicité, c'est un réseau mondial. On représente Grey au Maroc. On a signé avec Starcom Media West, qui est une filiale de Publicis Group. Et donc là, cette année, on a une quinzaine d'entreprises, 2 milliards de chiffre d'affaires. Et surtout, ce qui est important à noter, c'est que 94% de ce chiffre d'affaires, c'est-à-dire 1,9 milliard, c'est que des multinationales.
Alors vous allez me dire pourquoi. Tout simplement parce que la méthode de réfléchir que nous avons dans notre groupe, aujourd'hui nous avons 1000 collaborateurs, nous avons une centaine de jeunes cadres middle management, c'est une culture qui est basée sur ce qu'on appelle le one sheet. Et c'est quelque chose que j'aimerais, sur lequel on s'interpelle tous. C'est quoi un one sheet? C'est que je fixe personnellement un objectif chaque 31 décembre de faire ce que j'appelle mon OGSM de l'année, perso, en une page. Objectives, goals, strategies and measures. OGSM, en une page. Dans lequel on se fixe les objectifs, ses buts chiffrés, les stratégies pour y arriver et les mesures dans le temps. Généralement, chaque trimestre, on mesure. Ensuite, le deuxième élément du one page, c'est ce qu'on appelle la culture du KPI, le Key Performance Indicator. C'est-à-dire que pour chaque relation, avec qui vous voulez, y compris la belle-mère, il faut mettre des KPIs. Et qui s'appelle les Key Performance Indicators, ça peut être 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous les fixez. Et ensuite, une fois qu'ils ont fixé, in one page, scorecards. Une scorecard d'une page dans laquelle il y a les KPIs et dans laquelle il y a des smileys qui sont soit verts, soit oranges, soit rouges. Et je vous assure qu'avec ces trois pages, vous allez réussir. Parce que vous allez écrire ce que vous voulez. La plupart des gens, ils savent ce qu'ils veulent dans leur tête. Mais ils changent d'avis sans s'en apercevoir. Parce qu'ils n'ont jamais écrit sur une feuille de papier ce qu'ils veulent. Écrivez ce que vous voulez sur une page. Et une fois par an, sortez la page. Et faites vos mesures de manière trimestrielle pour savoir où vous en êtes par rapport aux objectifs que vous avez fixés. Ça va ? Tout va bien. Sinon, je voudrais rebondir sur le projet Hanoti qui a échoué finalement. Je voulais vous demander, est-ce que c'était vraiment un échec ? Et quelles leçons en avez-vous tirées ? Encore une fois, quand on est entrepreneur, on crée des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Hanoti a été créé, ça n'a pas marché, donc c'était un échec. J'ai beaucoup appris de cette expérience. La première des choses que j'ai apprises, c'est que le business model était mauvais. On a franchisé, il ne fallait pas franchiser, il fallait le faire en propre. Deux, on avait des magasins trop petits, on est allé trop vite, et il fallait faire ce qu'on appelle le concept proof et prendre un peu plus de temps. Mais on est jeune, on est emballé, on y croit. On a de l'ego et on sait qu'on va y arriver. Troisième élément, c'est que votre associé est un élément primordial dans un business plan. Et donc, j'étais associé à Patrick Bujoun, donc le groupe. Patrick Bujoun a des managers, c'est pas lui qui décide tout seul, il a des managers. Et donc, on est tombé en pleine crise financière 2008. Et donc, le management a décidé de se recentrer sur les métiers de base qui sont ceux de la banque et de l'assurance. Et donc, on a eu des problèmes de financement ou des problèmes d'actionnaires qui n'ont pas voulu. Donc, j'ai enclenché donc, les clauses de put et de call qu'on avait dans notre pacte d'actionnaires. Et donc, j'ai vendu mes actions en 2008 à Financecom. Maintenant, 6 mois plus tard, le même concept a été lancé au Maroc. Il s'appelle BIM. C'est des Turcs. Aujourd'hui, BIM sont à 330 magasins. Ils perdent de l'argent jusqu'à présent. Mais leur entreprise a beaucoup de valeur. Et donc, c'est difficile de faire comprendre à un actionnaire financier qu'il faut perdre de l'argent pendant 10 ans parce que l'entreprise a de la valeur. Mais BIM a un actionnaire qui est une société de distribution turque et qui est présente dans différents pays et qui savent ce que c'est que le métier de la distribution. Donc, on doit être capable d'accepter en tant qu'actionnaire, même si on grandit en termes de taille, en termes de périmètre, accepter qu'on puisse perdre de l'argent. Ce n'est pas évident. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. C'était un échec incontestable. J'en assume la responsabilité. Mais, quand on me dit, est-ce que c'est vous qui avez fait un outil, je dis oui, et j'en assume la responsabilité. Merci beaucoup pour votre réponse. Après la distribution, vous revenez donc en force au secteur de la communication et des médias, après avoir laissé derrière vous le fort succès d'Atecom. De
Depuis votre sortie du ministère de la Jeunesse et des Sports, vous gérez 5 entreprises dans ce secteur. Pourquoi cette concentration sur les médias et la communication ? Tout simplement parce que quand on analyse le secteur des médias et de la communication, on se rend compte qu'il y a à peu près 900 entreprises qui opèrent dans ce secteur. Et c'est un secteur qui est extrêmement fragmenté. Faire de la com, faire des médias, ça paraît facile, puisque tout le monde a envie de lancer son agence de com. Et il y a une fragmentation qui est énorme. Donc je me suis dit qu'il y a lieu de rentrer dans ce secteur, tout simplement, parce qu'on peut créer de la valeur en consolidant ce qui existe déjà. Et puis quand on analyse aussi la qualité des entrepreneurs qu'il y a, aujourd'hui, à part 5-6 boîtes qui tirent avec le pain du jeu et qui arrivent à des niveaux d'une réflexion de succession en termes de l'âge des entrepreneurs qui ont créé ces sociétés, fait qu'il y aura forcément un changement de génération dans ce secteur. Et donc, je prends le pari que ce changement de génération va avoir lieu. Et par conséquent, le fait de se positionner nous permet déjà aujourd'hui d'être sur le podium des 3 premières entreprises. Puisque en 2014, nous avons fait 300 millions de dirhams de billing et que nous sommes aujourd'hui l'agence des plus grosses multinationales, rappelez-vous, 96%. On gère les médias et la com de Procter, mais aussi de Mondelez, de BIMO, qui est aujourd'hui Mondelez Craft, de Adidas, de Samsung et de plusieurs multinationales qui font que aujourd'hui, grâce au contrat que nous avons avec Publicis, ça nous permet d'être leur représentant sur le Maroc et de capter donc, ces flux et ces volumes de multinationales. Mais c'est un métier aussi qui est passionnant. Le monde des médias va changer dans les 5-10 prochaines années. Autant la télévision était omniprésente dans les dispositifs médias des entreprises et des hommes du marketing, autant dans les prochaines années, le digital va tout récupérer. Il n'y aura plus de publicité à la télévision dans 15 ans. It's over. Il n'y aura plus de publicité dans la télévision dans 15 ans. Je crois qu'on est enregistré. Dans 15 ans, on ressortira ça. Toute la publicité va aller sur le digital, sur Internet, sur le mobile. Le mobile, cette année, a dépassé Internet. Et donc, il y aura de plus en plus de display marketing. Moi-même, hein, je ne suis pas de votre génération, mais moi-même, je suis tout le temps sur WhatsApp et sur Twitter et sur Facebook. Et je regarde de moins en moins la télévision. Mes enfants, je m'excuse du terme, mais ne regardent plus la télévision. J'allais dire autre chose, mais ça y est, ils sont sur leur tablette, ils sont sur leur ordinateur, ils sont sur leur téléphone. C'est fini. Et donc, c'est en profitant de ce changement générationnel, de changement d'habitude de consommation, qu'on s'engouffre dans un secteur pour profiter d'une opportunité. Donc en conclusion, un secteur qui se transforme, des entrepreneurs qui devront trouver des solutions de succession, et qui fait que le secteur qui a été fragmenté va se construire. Merci. Beaucoup disent que vous avez une marque de fabrique pour développer vos projets. Vous alliez aux petits et misez sur leur savoir-faire. Y a-t-il réellement une méthode Bolkhriat? Non, je ne voudrais pas être prétentieux. Je voudrais juste dire une chose. Quand on sait s'entourer, on réussit. Le secret, c'est dans la qualité des ressources humaines qui vous entourent. Et quand je dis la qualité des ressources humaines, ce n'est pas forcément en tant que collaborateur. Je serais prêt à m'associer à n'importe qui d'entre vous dans cette salle. Je serais prêt à le financer. Et je serais prêt à être son partenaire. Ce n'est pas des petits. C'est juste qu'ils sont actionnaires minoritaires et moi majoritaire. Je respecte. Et pourquoi je respecte? Parce qu'on a une méthode qui est celle d'être un petit peu business angel et de vouloir faire des choses et créer des projets. Pas tous vont réussir. La plupart ne vont pas réussir. Mais il y en aura toujours un, deux, trois qui vont réussir. Et j'en ai vu des jeunes entrepreneurs qui sont rentrés au Maroc, qui se sont lancés. Et qui ont cherché leur voie et qui ont tâtonné. Et on a pas mal qui ont réussi. Et je suis profondément convaincu pour que pour réussir, il faut rencontrer des gens.
Alors, moi je pense que la qualité des ressources humaines et des gens est extrêmement importante. Maintenant, cette qualité, elle dépend pas seulement de la capacité à faire faire les choses, elle dépend aussi d'un système de valeurs, de principes et d'un esprit qui doit être un esprit positif de construction et aussi de passion, parce que passion for winning, c'est la passion du résultat, c'est la passion de réussir, c'est quelque chose d'important. Donc si vous devez garder quelque chose de mon intervention aujourd'hui, c'est croquer la vie et avoir la passion de gagner. Avoir la passion de gagner, c'est ce qui nous permet d'être heureux dans la vie et d'avancer. Merci beaucoup, Monsieur Priya. Justement, en 2012, vous créez une dizaine d'entreprises en quelques mois. Cependant, cette déferlante de création d'entreprises laisse quelque peu perplexe. Quelle est votre limite, Monsieur Priya? The sky is the limit. The sky is the limit. Sur la douzaine d'entreprises, il y en a 7 que j'ai vendues. Et il y en a 5 qui ont réussi. Les 5 qui ont réussi, elles nous ont permis de devenir le deuxième groupe de communication de médias au Maroc. Ok. Bon. Maintenant, encore une fois, on ne réussit pas tout ce qu'on fait. On a des projets, il y en a un qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas. Mais réfléchissez à ce qu'on disait tout à l'heure, qui est le résultat net comptable. La valeur créée par ce qui réussit, en comparaison avec la valeur détruite par rapport à ce qui échoue. C'est la vie, c'est normal, c'est pas grave. C'est pas grave. Échouer, c'est pas grave. Là, c'est la plus belle expérience que celle de sentir un échec. Parce que vous apprenez 10 fois plus vite. Avancez, prenez des initiatives, prenez des risques, et c'est pas grave si vous échouez. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, c'est plié, il est bon, ça vous crée un mec. Nous passons au volet politique. Et donc, en 2009, vous êtes nommé ministre de la Jeunesse et des Sports sous les couleurs du RNI. Est-ce un rêve devenu réalité? C'est toujours un rêve que d'être ministre. J'avais 5 ans, 6 ans, et j'avais un oncle là, qui est mort, qui est diplômé de l'école polytechnique, qui s'appelait Simon Hakoudoukia, et qui était secrétaire d'État aux affaires économiques. Il avait une voiture sur laquelle il y avait une plaque 26. Et à 5-6 ans, j'étais impressionné. Donc j'imagine que mon vécu éducatif m'a un petit peu interpellé quand j'ai été nommé. C'est un honneur énorme, parce que on a beau faire des choses pour soi, pour sa famille, pour ses enfants, à un moment, je vous assure que c'est vrai, on sent un honneur extraordinaire à servir son pays, son roi. J'ai un immense respect pour Sa Majesté le roi. C'est un monsieur qui est d'une gentillesse extraordinaire et qui inspire confiance, et on a envie de travailler pour lui. Je vous assure. Et je le dis avec émotion, parce que vous ne pouvez pas imaginer l'amour qu'il a pour le Maroc et pour les Marocains. Et le fait de travailler avec lui dans son équipe est un immense honneur. Donc oui, je le dis de manière très vénère, très sincère, et j'en suis honoré. D'ailleurs, vous n'aviez que 39 ans quand vous avez été nommé ministre. Chose assez rare au Maroc. Justement, nous organisons dimanche une conférence autour de l'intégration des jeunes en politique. Qu'avez-vous à nous dire à ce sujet? Très brièvement. Alors, ce que j'ai à dire, c'est que malheureusement, et je rejoins parfaitement Son Excellence M. Moussa sur ce qu'il a dit par rapport au troisième défi, c'est que malheureusement, il n'y a pas assez de mobilisation des jeunes dans les partis politiques. Et ça, c'est dû au fait la responsabilité est partagée. Nous faire. C'est la responsabilité des partis, mais c'est aussi la responsabilité des gens. Cette génération a grandi avec une démobilisation totale par rapport à la politique. Il y a eu un semblant de mobilisation pendant le printemps arabe, pendant le mouvement du 20 février. Il y a eu un semblant de mobilisation sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Mais bon, quand on les compte, ils sont 50. Et c'est virtuel. Dès qu'on les a en face, c'est différent.
Et c'était différent il y a 40 ans dans cette salle. Dans cette salle, il y avait la bagarre, il y avait du sang, il y avait des débats animés incroyables sur les aspects politiques. Et cette mobilisation ou démobilisation, elle est due, à mon sens, au manque de l'esprit critique de notre système d'éducation nationale. Et donc, je pense qu'il y a lieu que chaque parti fasse son devoir pour réveiller cette conscience politique. On est dans une année électorale, c'est une année charnière par rapport aux élections locales et régionales, des lois importantes sur la région. Sa Majesté a demandé depuis 6-7 ans à ce qu'on mette en œuvre, d'un point de vue politique, la politique de régionalisation, et qui pourra faire avancer le Maroc, et qui pourra être le prochain grand défi où chaque région, avec son autonomie, pourra vraiment faire avancer les choses. Et ensuite, juste après, il y aura les élections législatives. Et ça sera le premier bilan du gouvernement Belkhirem, dans lequel mon parti, dans lequel je suis un membre élu du bureau politique, participe. Et sur lequel, aujourd'hui, les résultats sont des résultats qui sont globalement positif. Maintenant, il y a une alliance entre un parti positionné un petit peu islamiste et un parti plutôt centre-droit, libéral, avec un concept de social-démocratie, et qui fait que globalement les choses fonctionnent. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention que nos libertés individuelles ne régressent pas. Il faut rester mobilisé. Et vous n'êtes pas interpellé, mais nous, dans la politique, on l'est tous les jours. Il y a un projet de code pénal qui est en train d'être présenté au Parlement par un allié politique qui est le ministre de la Justice et sur lequel, à titre personnel, je suis profondément choqué et parfois même en désaccord sur plusieurs articles. Mais je le dis. Ça ne veut pas dire que nous sommes dans la même majorité, donc on va tout accepter. Non, on débat, on discute et on fait en sorte à ce qu'on fasse attention à ce qu'il n'y ait pas de régression. Les libertés individuelles doivent être sacrées dans notre pays et en aucun cas elles ne doivent régresser à cause d'une tendance politique qui utilise la religion à des fins politiques. Je le dis de manière claire et nette. Et là, ce que je dis, c'est un discours politique. Je ne sais pas s'il y a des journalistes dans la salle. Et quel bilan dressez-vous de votre mandat? Brièvement. Bon, je n'ai pas passé beaucoup de temps. J'ai passé 2 ans et demi, et sur les 2 ans et demi, il y avait un an de printemps. Bon, premier élément, c'est que je pense qu'on a fait beaucoup de projets, on a créé beaucoup de concepts. D'abord, on a fait passer un texte de loi qui a permis la professionnalisation du sport. Ensuite, on a créé le concept des clubs socio-sportifs de proximité. Aujourd'hui, quand on se balade dans le Maroc, on voit des jeunes jouer dans ces petits centres de proximité, ça fait plaisir. Ensuite, on a ouvert les stades de Marrakech, de Tanger et à 95% Agadir, des stades qui étaient construits depuis 2002 et qui en 2009 étaient toujours en face de nos œuvres, alhamdoulilah. Et enfin, on a ramené au Maroc des compétitions internationales et on a placé le Maroc au centre des compétitions mondiales avec 2 Coupes du Monde des clubs, avec une Coupe d'Afrique des Nations et avec une Coupe intercontinentale du monde d'athlétisme. Le Maroc n'avait pas organisé d'événements sportifs internationaux depuis 1989, les Jeux de la Francophonie qui venaient juste après la CAN de 1988 à Rabat. Et les Jeux méditerranéens de 1984, vous n'étiez pas encore né. Donc cette génération n'a jamais vécu au Maroc de compétition internationale de grande envergure. Donc, alhamdoulilah, sur la partie sport, c'était pas mal. Sur la partie jeunesse, malheureusement, je n'ai pas eu assez de temps. Parce que quand je suis arrivé, il n'y avait pas d'études. Donc j'ai commencé par une étude d'un diagnostic existant. Et en fait, je suis arrivé à une conclusion simple, c'est que ce n'est pas le ministère de la jeunesse, c'est le ministère de l'enfance. Parce qu'il n'y a absolument aucun service public pour la jeunesse. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, la jeunesse, c'était de 6 à 18 ans.
Mais entre-temps, il y a eu des changements sociaux dans la société qui font que la jeunesse est passée de 6 à 18 ans à peut-être 6 à 30 ans. Pourquoi ? C'est vrai, à 28 ans, on est encore jeune. À 27 ans, on est encore en Chine ou en Argentine parce qu'on va aller faire une année de césure. Et on n'est pas encore marié. À notre époque, à 18 ans, les nanas sont déjà mariées. Ben, à 28 ans, vous n'êtes pas encore mariée, mesdemoiselles. Donc il y a un changement. Ce changement, il faut que l'offre publique s'adapte à lui. Alors, j'étais le premier à dire, et ça, c'est l'histoire le retient, au Parlement, en novembre 2010, avant le printemps, j'ai dit, je ne comprends pas, monsieur le député, que la société marocaine étant à 50% jeune, on puisse avoir une représentativité dans ce Parlement de seulement 2%. Et donc, je demande le quota des jeunes. Il y a eu un branle-bas de combat. M. Bzoua, chef de parti du RNI, était à ma droite, et le député me répond en disant « Je ne vous réponds pas à vous, je réponds à M. Bzoua, qui est votre chef de parti, je veux savoir si cette position... c'est la position de Monsef El Riad ou celle du RNI. » Et j'ai dit, cette position est celle de Monsef El Riad et du RNI. Et Monsef El Riad représente le RNI au Parlement. Avant le printemps arabe, j'ai demandé le quota de représentativité pour les jeunes. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont au Parlement, qui sont passés, entre guillemets, par quota, des jeunes de moins de 40 ans, et qui sont aujourd'hui dans les bureaux politiques de toutes les formations, avec une représentation de, je pense, un tiers de chaque bureau politique. Je ne me rappelle pas, mais chez nous, RNI, on est 30 dans le bureau politique. Il y a 15 adultes, il y a 9 jeunes et 9 femmes. Donc il y a eu... Mais beaucoup de gens vont dire « Non, c'est pas bien », et moi je dis « C'est bien ». Il faut voir la nouvelle dynamique qu'il y a dans nos bureaux politiques, les nouvelles idées qu'il y a dans les bureaux politiques. Donc moi, j'encourage vraiment les jeunes à se lancer dans la politique. On se lance comme dans une entreprise, on commence à être un analyste, un stagiaire, un analyste, ensuite un analyste confirmé, ensuite un manager, et au bout de 10-15 ans de carrière, on est directeur et membre du comité exécutif. Donc là, c'est exactement la même manière que ça se passe dans un parti. Il faut mériter, entre guillemets, ces galons. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont parachutés, entre guillemets, comme moi, mais on en parlera tout à l'heure si vous voulez, ils ne sont pas du tout acceptés. Ils sont repoussés. On est perçus comme des extraterrestres. Et donc, il vaut mieux partir de la base. Et quand on est jeune, se mobiliser, donner un peu de son temps pour le Maroc. Et ça restera toujours sur votre CV, et ça restera toujours une expérience enrichissante. Alors maintenant, qu'on soit à Paris, qu'on soit à Londres, qu'on soit à Casa ou à Marrakech, alors c'est kiff-kiff. On peut faire de la politique, on peut intégrer des partis et se mobiliser dans un but qui est celui de construire notre pays. Parce qu'au final, c'est quoi le but ? Le but, c'est que notre pays avance, et si on fait de la politique, c'est pourquoi on fait ? C'est pour qu'on puisse agir, qu'on puisse interpeller et qu'on puisse influencer sur les lois qui nous régissent. Sur les lois qui nous régissent. Le débat sur l'avortement au Maroc, c'est un débat réel. Alors, qui est-ce qui est pour l'avortement? Qui est-ce contre l'avortement? Et ensuite, si on rajoute la religion là-dedans, c'est un débat encore plus compliqué. Et est-ce qu'on est dans un pays où ça passe à 51-49? Je peux vous dire qu'au printemps arabe, j'ai vu des débats où à 2% d'opposition, ça tombait. On n'est pas dans une société assez mûre où le 49% respecte le 51%. On est dans une société où à 2%, on peut ne rien. Ah, bon, vous avez été vivement critiqué pendant votre mandat. Oui. Pourquoi l'image de Monsef El Riad suscitait autant de débats? Ben, tout simplement parce que je suis allé à la confrontation. J'étais le premier ministre qui
qui est allé sur les réseaux sociaux. J'ai lancé une page Facebook avant le 20 février et j'ai lancé mon compte Twitter avant le 20 février. Et tout le monde m'appelait pour me dire « Est-ce que tu es fou ?» Je dis « Pourquoi ? Est-ce que tu as reçu des instructions ?» Je dis « Non. Mais tu es fou. » Et les gens disaient « Fais, il y a des Twitter. » C'est comme si c'était une télévision. Et en fait, j'avais compris qu'il y avait quelque chose qui était en train de se faire. Et ce qui était très sympa, c'est qu'on a lancé les mardis avec le ministre. Et tous les mardis, j'avais mon équipe qui était là et on répondait aux citoyens sur Facebook en live. C'était magnifique parce que vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de problèmes qu'on réglait pour beaucoup de citoyens, mais aussi pour beaucoup de collègues du ministère à travers Facebook. Parce qu'ils n'avaient pas accès au ministre. Par contre, sur Facebook, ils ont accès au ministre. Et donc, on a réglé plein de problèmes. Et puis, on a vu sur Twitter un petit peu l'évolution et le modus operandi de ce qui s'est passé entre octobre 2010 et, on va dire, juin 2011. Donc, c'était une superbe expérience. Je suis sorti, j'ai pris des positions dures. J'étais même un peu fou de prendre des décisions pareilles. J'ai pris des risques personnels. J'en suis heureux, j'en assume toutes les conséquences. Et puis bon, finalement, on sait que Riyad, c'est quelqu'un qui ne laisse pas indifférent. On l'aime bien, on ne l'aime pas. Donc c'est un style. Je suis un peu plus anglo-saxon que latin. Je suis plus, on va dire... Donc je suis un peu différent. Quelque part, forcément, il y a des critiques, il y a des choses, etc. Bon, on m'a chopé sur, entre guillemets, une voiture que j'ai louée, qui était chère. Mais bon, en fait, c'était la dernière année du mandat. Ma voiture est tombée en panne. Je faisais 110 000 km par an, parce qu'il fallait ouvrir le stade de Tanger, de Agadir, de Marrakech, le socio-sportif de proximité, etc. Et donc, il fallait une voiture pour rouler. Donc, il fallait louer une voiture. On a loué une voiture. Ce n'était pas les montants qui étaient libres. C'est la seule chose sur laquelle ils m'ont, entre guillemets, beaucoup attaqué. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est aussi une erreur de jeunesse, que je l'assume parfaitement, dans le sens où, dans la culture d'un manager, entrepreneur, un homme d'affaires, louer, c'est moins cher que d'acheter. Surtout pour un an. Dans la culture politique, louer, c'est dépenser et dilapider l'argent. Et donc, c'était l'erreur que j'ai faite. J'ai pas été non plus aidé par le ministère des Finances parce qu'il ne voulait pas lâcher les budgets, donc c'était loué. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend, on avance et puis c'est tout. Mais bon, il vaut mieux être chopé sur la location de voiture que sur autre chose. Le sport national vit aujourd'hui une période qu'on peut considérer comme catastrophique. Comment en sommes-nous arrivés là-dessus ? Alors, le sport national, je peux vous dire que honnêtement, on avait initié un petit décollage, que ce soit au niveau de l'infrastructure, que ce soit au niveau des textes de loi, que ce soit au niveau des financements, que ce soit au niveau de la formation et de l'organisation des manifestations sportives internationales. On avait vraiment une vision qui était en train de créer une dynamique positive. Malheureusement, il s'est passé des choses qui font que... Bon, je vais le dire, c'est pas grave. Je considère que le sport ne doit pas être dans le gouvernement. Le sport doit être un département qui doit être géré comme les eaux et forêts, à travers un haut commissariat, dans lequel il y a une personne qui a une vision managériale pour faire bouger ce secteur dans le cadre d'une vision de 10 ans. Entre le moment où vous investissez sur un sportif et le moment où il délivre un résultat sportif, il faut 10 ans. Vous ne pouvez pas ramener des ministres qui tous les 2-3 ans changent de politique et chacun qui succède à l'autre considère que le travail de son prédécesseur est mauvais. C'est clair ? Good. Je parlerai du successeur.
On a vu M. Ozine quitter le ministère il y a quelques mois. Y a-t-il des chances de voir Monsef Bolriad reprendre son poste de ministre de la Jeunesse et des Sports? Non. Et le pourquoi? Non, c'est juste que dans la vie, il y a des étapes. Et donc, c'était une étape qui était magnifique. On a fait ce qu'il fallait faire. Des fois de manière positive, des fois de manière peut-être trop rapide. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier, j'ai passé 2 ans et demi entre le moment où vous investissez sur un sportif et le moment où il y a des résultats, il faut 10 ans. Donc je pense que sincèrement, il faudrait que la partie sport puisse être gérée d'une manière indépendante dans le cadre d'un organisme tel qu'un commissariat par exemple. Et trouver la bonne personne qui puisse le faire sur 10 ans, lui donner 10 ans, lui dire c'est une mission nationale sur 10 ans. Et le problème, c'est qu'en sport, on est tous connaisseurs de sport. Il y avait 35 millions d'entraîneurs d'équipe nationale. Chacun donne son avis sur l'équipe type et sur les joueurs, etc. Et puis, l'autre problème du sport, et c'est un petit peu ça qui aussi il faut comprendre, c'est que quand je suis arrivé au ministère du sport, il n'était pas très médiatisé. Je suis arrivé, il y a eu un effet médiatique important. Il ne faut pas oublier que tous les jours, il y a 80 pages de journaux sur le sport. Et donc, il faut du contenu. Et donc, ce contenu, il faut le créer. 80 pages par jour sur le sport, dans les journaux. C'est un secteur très difficile. Le département de la jeunesse et des sports est un ministère difficile. Très difficile. Et puis, il y a beaucoup d'intérêts. Énormément d'intérêts, des intérêts où il y a beaucoup d'argent qui circule et c'est de l'argent qui n'est pas structuré, qui sur lequel les éléments de contrôle ne sont pas bons. Pas seulement sur le sport, mais aussi au niveau des colonies de vacances, avec les associations qui sont là depuis des années, c'est compliqué, etc. Donc, à mon sens, il y a lieu de revoir la gouvernance de ce ministère. En tant que membre du bureau exécutif du RMI, qu'attendez-vous des prochaines élections? On espère les gagner. On espère les gagner. Quand on fait de la politique, on se prépare pour être présent, être proche des citoyens, de leur demande. Donc là, en ce moment, on est en train de préparer les élections locales qui vont avoir lieu en septembre de cette année. Et donc, il y a ce qu'on appelle un maillage territorial qui est en train d'être fait et du recrutement pour nous permettre de présenter un maximum de candidats sur l'ensemble des communes. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a à peu près 1200 communes au Maroc et que dans chaque commune, il y a une trentaine d'élus. Donc, on parle de 29 à 30 000 élus. 30 000 élus, c'est pas rien. Hein ? Il faut les trouver. Il faut trouver les candidats qui ont délivré 30 000 élus. On espère qu'il y aura plein de jeunes dans ces candidats et on espère qu'on va les gagner. On peut dire que vous êtes une personne connectée. Twitter ou Facebook? Twitter. Mais vous avez... Oui, vas-y. Vous avez des doutes? Non. Mais... Quand on parle, il y a des gens qui tweetent. J'avais besoin. C'est possible. Une destination? Marrakech. Marrakech, c'est la plus belle ville du monde. J'ai voyagé partout. La lumière de Marrakech est juste. La lumière de Marrakech est juste exceptionnelle. J'adore Marrakech. Je suis Marrakech. Un plat? Un plat, je suis gourmand. Je suis gourmand, mais je dirais le tagine en général. On a grandi avec le tagine, on s'habitue au tagine. Nos goûts sont. Le tagine, c'est très bon. Ouais. Un instrument? Un club de golf. Je joue au golf. Et donc le drive ou le putter. Le putter, c'est compliqué. Le drive, c'est plus facile. Un artiste? Um Kiltour.
Oncle Tchoum, c'est pour moi quelque chose d'exceptionnel. Ce que dit Oncle Tchoum, il faut que vous. Sauf que vous n'allez pas aimer Oncle Tchoum parce que. Mais avec le temps, vous allez. C'est comme bon, généralement, jeune, on est de gauche, on est progressiste. Plus on avance dans le temps, plus on change. Donc, alors, c'est, la musique, c'est la même chose. Dans quelques temps, vous allez adorer Oncle Tchoum. Est-ce qu'elle dit est juste exceptionnel? Foot ou footing? Un foot, ouais, mais je préfère regarder que le faire. Real ou Barça? Barça. Oh. Bon, ce qu'a fait Messi à Watford, c'était un moment. Comment on peut appeler ça? Il l'a fait tomber. Merci beaucoup. Pas de rien, je voulais vous remercier encore une fois. Je vous remercie. Personne. Si vous avez des questions, ça sera avec plaisir. On va passer à la session des questions. Par contre, une seule limitation, maximum 1 minute 30, et on tient le chrono. J'avais plusieurs questions à vous poser, mais je vais essayer de me concentrer sur le thème. Vous venez de perdre 20 secondes. Je vais essayer de faire plus rapidement. En fait, ma question concerne, enfin la thématique, c'est le lien entre politique et l'économique. Vous vous êtes défini tout à l'heure comme étant un homme politique, mais vous êtes aussi un homme d'affaires. Je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas des conflits d'intérêts? Je sais que vous avez occupé le poste de ministère de la Jeunesse et des Sports, mais sur votre carnet de contact, il y a certainement des personnalités du ministère de l'économie, etc. Donc voilà, comment vous arrivez à gérer ce lien entre politique et économie? Bon, j'ai encore du temps. Ma deuxième question, c'est par rapport au mouvement du 20 février. Vous avez dit, j'ai vu tout à l'heure sur Wikipédia, que vous avez dit que le mouvement du 20 février était affilié au Polisario. Pourquoi? Et ma troisième question, un peu plus léger. Vous êtes défini aussi comme un entrepreneur. Quel conseil donneriez-vous à des jeunes qui veulent se lancer aujourd'hui? Merci. Normalement, ce que je fais, c'est que je regroupe les questions et je réponds à la fin. Mais ces trois questions sont importantes. Si ça ne vous dérange pas, je vais y répondre et ensuite je redonne la parole à la salle. Okay. Alors, la première question. Elle est liée à l'interdépendance entre l'économique et le politique. À la chose, il ne faut pas se raconter des histoires. Dans tous les pays du monde, le lobby des hommes d'affaires a un impact sur la politique. Et le politique a un impact sur le lobby des hommes d'affaires. Pourquoi? Parce que tout simplement, les relations entre la famille politique et le monde économique sont des relations très étroites et trop étroites, tout simplement parce que c'est l'économique qui est le poumon, on va dire, de création d'emplois pour un pays. Et l'acte numéro un du politique, c'est de créer des emplois. Je vous fais un exemple. Chaque mois, les statistiques de l'INSEE, ben, si je vous dis dans quel sens le trend va aller, et donc en fonction de ça, il gère avec le patronat pour pouvoir redresser la tendance de la création. Donc, la relation, elle est claire, nette, établie, il ne faut pas se mentir. Deux, en ce qui me concerne. Moi, j'étais dans les affaires avant de devenir ministre. Mais j'étais aussi dans la politique avant de devenir ministre. Et donc, quand je suis arrivé au gouvernement, j'ai démissionné de tous mes mandats en tant qu'administrateur, en tant que président, pour laisser les entreprises dans lesquelles je suis, être géré par d'autres personnes. Au même titre que d'autres ministres, aujourd'hui avec nous dans le gouvernement, qui sont dans la même situation. Une fois que j'ai quitté le ministère, je suis retourné à la situation hantée, où j'ai récupéré mes mandats. Maintenant, les relations existent, parce que
on est des hommes finalement, on a des relations avec des gens, on se lie d'amitié, etc. Et puis il y a quelque chose qui dans le monde anglo-saxon s'appelle le networking et qui est perçu chez nous comme étant encore une fois chouma ou péjoratif. Et ça, à la limite, je l'assume parfaitement, je n'ai absolument aucun souci. Je considère que faire du networking, c'est bien quand on est un homme d'affaires, quand on est un entrepreneur. En ce qui concerne la deuxième question, qui est celle de ma position par rapport au mouvement du 20 février, il y a eu un quiproquo qui est clair. J'étais sur Twitter à partir du mois d'octobre-novembre 2010 et j'ai senti sur Twitter que ça commençait à chauffer de manière sérieuse. Il n'y avait pas encore la Tunisie, il y avait encore rien. À tel point que ça chauffait qu'il y a un monsieur qui, je pense, habite aux États-Unis et qui a insulté sur YouTube Sa Majesté pour la première fois d'histoire. En prenant sa carte nationale marocaine, il l'a montrée à la caméra. Et ensuite, il y a eu la création de plusieurs pseudos, dont certains habitaient au Maroc et certains n'habitaient pas au Maroc, et qui ont commencé à chauffer la gueule. Et ensuite, il y a eu le lancement d'une page Facebook anti-système, anti-monarchie, et qui clairement demandait aux gens de se révolter contre la monarchie au Maroc. Et ensuite, cette page commençait à avoir des likes et des fans, et à 40 000 fans, à 40 000 likes, ils ont fixé une date. Et la date était le 27 février. Et je suis sorti en disant, attention les jeunes, parce que moi aussi j'avais une page à 45 000 likes. Et donc j'étais leur pendant, j'étais leur alter ego à l'époque, 45 000 à l'époque c'était pas mal. Et j'aurais dit, le 27 février, c'est la date de création du Polisario. Faites gaffe, il y a de la manip. Et ensuite, ils ont changé la date du 27 au 20. Et ensuite, il s'est passé ce qui s'est passé. Maintenant, après coup, soyons clairs, il y a des jeunes qui ont été envoyés à l'étranger. Il y a des jeunes qui ont été formés par des soi-disant NGO et qui ont été poussés à faire des choses. Donc ma position est une position que j'assume parfaitement. Le mouvement du 20 février, il y avait des jeunes formidables, avec beaucoup d'idées honnêtes, avec vraiment des principes qui étaient de vouloir faire changer les choses, de pousser les choses dans le bon sens. Et j'abonde dans ce sens. Et je serai prêt à discuter avec eux et à faire avancer les choses avec eux. Mais c'est en même temps un mouvement qui était noyauté par des gens qui étaient contre les intérêts de notre pays. Et moi, en tant que ministre, membre du gouvernement de Sa Majesté, j'étais dans l'obligation, parce que j'étais dans les réseaux sociaux, de défendre mon pays, défendre mon pays. Et c'est ce que j'ai fait, et je l'assume parfaitement. La troisième question, une cite. Les conseils donnés pour ceux qui veulent se lancer. Conseil. Premier conseil, laïchlikoum, s'il vous plaît, gardez votre job le plus longtemps possible, ne changez pas trop. Voilà, vous changez trop, vous papillonnez, vous passez un an ici, un an là, et donc c'est une génération à laquelle on ne comprend pas grand-chose quand on est recruteur. C'est une génération wild, lazy, ou je ne sais pas, mais c'est une génération qui sautille. Gardez votre job plus longtemps, parce que vous allez apprendre plus vite, et parce que vous allez prouver votre capacité à délivrer, et parce que vous allez avoir la chance de rencontrer des gens dans ces jobs qui eux-mêmes vont progresser dans la vie et qui vont vous aider par la suite. C'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est amusez-vous, voyagez, voyez ce qui se passe, etc. Mais dites-vous, il est impossible de gagner de l'argent sans travailler. Parce que j'ai l'impression que vous avez des modèles en tête comme Mark Zuckerberg, etc., etc., qui sont enrichis en milliards de dollars, sans travailler, ça peut arriver une fois, tous les millions, deux fois. Mais la réalité de la réalité, c'est qu'il faut travailler. Alors, on ne peut pas. Donc, aujourd'hui, la plupart de cette génération Internet, mais je les vois au bureau,
ils n'arrivent pas au bureau avant 11h. Pourquoi? Parce qu'ils bossent jusqu'à 5h du matin. Mais pour nous, en tant que patron, c'est un souci de discipline majeur. Donc il y a lieu de revenir à certaines valeurs de la discipline. Donc, le plus longtemps possible dans un job, les valeurs de la discipline. Dernière chose qui est importante, c'est que quand vous venez et quand vous devenez entrepreneur, différenciez entre la rémunération du capital et la rémunération du travail. Quand on est entrepreneur, on travaille, on a le droit à un salaire, on prend un salaire, on ne touche pas l'argent de la banque. On ne touche pas l'argent de la banque. Le jour où vous touchez une fois l'argent de la boîte, vous êtes fini. Votre banquier le sait et vous êtes mort parce que quand vous allez présenter le bilan à la fin de l'année, vos lignes de crédit seront coupées. Donc, en conclusion, apprendre un peu plus longtemps dans le salariat, rencontrer des gens qui vont nous aider parce qu'eux aussi vont progresser dans leur vie et on va travailler avec eux par la suite, c'est ce qu'on appelle le networking, avec un peu plus de discipline par rapport aux valeurs de nos prédécesseurs. Et enfin, ne jamais toucher l'argent d'une entreprise et différencier entre la notion de capital et la valeur du travail. Ok ? J'ai répondu à votre question. Là, je vous propose de prendre une série de questions si ça me dérange pas. Ok. On prend trois personnes. Ça marche. Ok. Bonjour, Monsieur Priat. Oui, je vous ai écouté avec un grand intérêt et on est presque de la même génération quelques années après. Et on a un problème culturel à régler au Maroc par rapport à l'entreprise, par rapport à la haute administration. Je suis professeur à l'université Sorbonne à Paris. On est issus, nous, les quinquagénaires, de la culture ou du modèle francophone. Vous, apparemment, vous développez avec TAC, d'ailleurs, est brillantissime, une approche anglo-saxonne. Est-ce que vous pensez que la transposition du modèle anglo-saxon sur la couche, qui est si demandée, qui est francophone au Maroc, est-ce que ce sera un atout, un conflit ou un problème pour le Maroc? Merci, monsieur Priat. Bonjour Monsieur Priat. Donc j'ai mis en 30, je vais essayer d'en tirer le maximum, j'ai trois questions. Ma première question, comment définissez-vous le Maroc? Est-ce un pays en voie de développement ou est-ce un pays émergent? Ma deuxième question, plus par rapport aux politiques, est-ce que vous pouvez revenir sur l'épisode de la CAN 2015? Un dossier qui, à mon sens, personne n'a été géré de manière catastrophique. Et ma troisième question, où j'aimerais revenir sur une déclaration du Premier ministre, en répondant à une question sur la guerre au Yémen, qui dit que le rôle d'un gouvernement est de soutenir les décisions du roi. Et ma question, c'est est-ce que le rôle d'un gouvernement n'est pas d'appliquer le programme pour lequel a été élu? Merci beaucoup. Bonsoir. Moi, ça sera beaucoup plus sur vos comptes Twitter et Facebook. Vous avez dit, on m'a posé la question, on m'a appelé, est-ce que tu es fou? Est-ce que tu as eu des instructions? Est-ce qu'on reçoit toujours des instructions? Jusqu'à quel niveau? Est-ce qu'on peut faire des choses folles lorsqu'on reçoit des instructions? Et quelles sont les limites? Pour moi, ce sera la dernière question. Je voudrais juste savoir, qu'est-ce que vous pensez du couple Choubaïm-Trenton? Si vous serez invité à leur mariage. Vous souhaitez répondre ou continuer donc à cette question? En fait, on a envie de rester toute la soirée, donc donnez-leur le micro. Vous notez donc. Bonjour monsieur. Aujourd'hui, il y a une très grande tension politique à l'approche des législatives. On a un gouvernement Guéquéran qui essaie de faire des choses. Pour moi,
pour moi, il essaie de travailler. Et une opposition qui parle beaucoup et qui est critique sans apporter d'alternatives et de solutions. Lorsqu'on voit dans un parlement parfois des cirques et des cinémas, comment voulez-vous que les jeunes s'intéressent à la politique? Merci. Allez, une dernière. Elle est parti. Il y a la Mohamed Hissas, je suis informaticien et associatif depuis plusieurs années. Je suis un agitateur d'idées. Des fois, je suis juste un agitateur. Ça dépend de ce que j'ai devant moi. Ce soir, j'ai devant moi une compétence. Et dans ma bouche, je vous assure que c'est une sincère affirmation. Alors, vous avez parlé à un certain moment de gérer le ministère de la Jeunesse par un haut commissariat. Merci. Moi, je pense que tout le gouvernement doit être un haut commissariat. Non, mais sincèrement, j'ai des copains ici. C'est un débat pour nous. Sincèrement, c'est un vrai débat pour nous. Ça sert à quoi? Je ne suis pas anti-système, hein. Je suis vraiment un royaliste, Saham Rébia, et je suis 20 février. Donc, ça d'un côté, je vois souvent des défis. Ma question, vous avez une politique, un héritage anglo-saxon, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on dit? Arabt le Mouhassaba, M'soulé le Mouhassaba. Et surtout, c'est une phrase qui est dans le. Dans la Constitution. Voilà, c'est tout. Alors, merci. La dernière. Ok. Salam alaikum. D'abord, je tenais à remercier la NGO pour avoir organisé cet événement-là. Et je remercie son excellence, monsieur l'ambassadeur Sijaki Moussa, ainsi que vous, monsieur le conseil de Triat. Alors, je m'adresse à vous, je suis marocain, et je suis président de l'association des jeunes défenseurs du Sahara marocain. Alors, j'ai décidé de prendre la parole, vu que monsieur l'ambassadeur, il a parlé des jeunes et de leur implication dans la société civile et dans la scène politique aussi. Et donc, en fait, voilà, on veut juste avoir du soutien de la part du gouvernement ainsi des dirigeants, parce que jusqu'à présent on a lancé un événement pour la commémoration du 40e anniversaire de la Marche Verte. Jusqu'à présent, au bout de 5-6 jours qu'on a lancé l'événement sur Facebook, on a déjà mis participants. On a contacté le ministère des Affaires étrangères, ils nous ont donné un numéro de fax, on a envoyé un fax, on n'a toujours reçu aucune réponse. On a contacté l'ambassade aussi. On a eu un conseiller de monsieur l'ambassadeur. Si on a envoyé un fax, on n'a pas eu encore eu de retour. Donc voilà, je pense que c'est la cause nationale numéro un. Et Sa Majesté le Roi, il a bien précisé que la société civile doit faire quelque chose pour son pays. 40 ans après la Marche Verte, je pense que les jeunes doivent leur dire leur mot par rapport au Sahara et voilà, on peut faire autre chose. C'est bon, plutôt. J'ai promis la dernière question à ce jour-là. Bonjour, monsieur Priel. J'ai juste une petite question assez rapide. Donc, qu'est-ce que vous pensez de l'interdiction du spectacle de Dieudonné au Maroc? Good. Madame, la dernière? Au fond, la dernière. Deux questions, allez. Bonsoir, je vous remercie d'avoir accepté la première question. Je vais être assez brève. J'ai deux questions. La première, c'est, vous avez dit, quand on est entrepreneur, il faut accepter de perdre de l'argent. Mais jusqu'à quand accepter de perdre de l'argent? Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter?
Ma deuxième question, vous avez dit qu'être à Paris, à Marrakech ou à Londres, c'est pareil pour faire de la politique. Personnellement, j'aimerais aider à l'avancement de mon pays, mais comment faire quand on est à Paris? Merci. Très bien. Alors, on va répondre. Je suis extrêmement ravi de la qualité de vos questions. Parce que ça prouve que you follow what happens over there. Et c'est important. Et je vais répondre sans langue de bois. Il y a qu'on est filmé hier. Très bien. Alors, la première question par rapport à la culture anglo-saxonne. Monsieur le professeur. Ma position personnelle, en attendant les conclusions de la haute commission sur l'éducation, c'est qu'il faut que le Maroc dédramatise de manière définitive l'histoire de la langue. Là, ça fait une dizaine d'années qu'on se bagarre pour savoir est-ce qu'il faut qu'on enseigne en arabe ou là en français, ou là en amazir, ou là en anglais, tout simplement pour des raisons d'ego. Nous sommes un pays amaziro-arabe, arabo-amazir. Dans notre constitution, nous sommes aussi un pays méditerranéen, et nous sommes un pays africain avec des racines musulmanes et judéo-chrétiennes. Ça fait. À partir de là, créons la diversité. Pourquoi se limiter? Pourquoi limitons-nous? Tbarakallah, tu vois des jeunes guides, des jeunes tangérois, des jeunes tétouanés, des jeunes marachis. Wahakallah, la dit qu'ils parlent cinq langues. Des jeunes gadiris. Tu vois, il faut voir les jeunes gadiris comment ils parlaient allemand il y a 20 ans. Bonjour, la rakama bin Agadir ou l'Allemagne. C'était le touriste qui venait. Il parlait allemand couramment. Nous avons une jeunesse qui a la capacité d'apprendre des langues. Je ne parlais pas de la langue. Ah, on va y arriver, on va y arriver. On va la culture anglo-saxonne. Oui, oui. On va y arriver. Donc, ma position, c'est qu'il faudrait que l'enseignement soit en arabe. Je pars du principe qu'un enfant de 3 à 7 ans en préscolaire doit apprendre en arabe dialectal. En 3 et 7 ans, pour sauf il y a la tarbiyah islamia et le Coran dans le cadre de tarbiyah islamia, parce que c'est notre culture pour 99%. Mais un enfant, dit-il, en 3 et 7 ans, ou dit-il, le Coran qui est l'arbiyah al-fusha, entre 3 et 7 ans, avec le système des valeurs du savoir-être et du savoir-vivre. Et ensuite, à l'école, on passe à l'arabe. Classique, mais avec le français et une prédominance de l'anglais. C'est ma position. Je suis pour que le Maroc prenne le virage de devenir un pays anglophone. Pourquoi? Parce que 67% du contenu qu'il y a sur Internet aujourd'hui est en anglais. Donc fact-based. Et d'autres pays ont pris cette décision, le Liban par exemple. Et c'est un succès. Le Liban a pris cette décision il y a 20 ans. Le Liban était francophone et est devenu anglophone. Tout en restant arabophone, bien sûr. Alors maintenant, au niveau gouvernance. La gouvernance, elle est liée à la qualité et au système d'éducation que vous avez. La gouvernance au Maroc était une gouvernance, jusqu'à présent, technocrate. Les cadres de nos ministères sont des technocrates. Ils ont été formés où? Ils ont été formés dans un système francophone, dans un système des grandes écoles d'ingénieurs et des grandes écoles de commerce. Le ministère d'équipement, le ministère des finances. Alors, vous ne pouvez pas imaginer la qualité des cadres que nous avons au ministère. Et je dirais même que nous avions. Parce que ça commence à changer. Alors, chauve, angulo. Alors, il faut être rationnel. Alors, ce qui a fait tenir le Maroc aussi, c'est la qualité, la compétence des cadres qu'il y a dans les ministères.
deux ministères en particulier, le ministère des Finances, le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Équipement. Des cadres de très haut niveau. Et je défie quiconque, parce que je peux vous dire que c'est ce qui a tenu l'administration en général, de manière forte. Et l'administration marocaine est bonne. Bien sûr, il y a les problèmes dont on parle, transparence, corruption, lenteur, etc. Mais globalement, quand on est dans la procédure, les cadres qui sont ce que j'appelle le middle management, c'est-à-dire chef division et plus, surtout dans les grands ministères, il n'y a absolument aucun anglophone dans ces ministères. Donc la culture anglo-saxonne n'existe pas dans l'administration. Elle existe dans le privé. Elle ne peut exister dans l'administration que si l'école devient plus anglophone. Et c'est pour ça que j'ai commencé ma réponse par rapport à l'école. Et donc, ça ne pourra pas se faire avant 15-20 ans en fonction de l'orientation qu'on va avoir au local. Alors, la deuxième question, par rapport à est-ce que le Maroc est un pays émergent en voie de développement, on définit la réponse par rapport à certains indicateurs. 4,5% de croissance en moyenne sur les 7 dernières années et 4,7% de croissance lors des 8 premières années du règne de Sa Majesté Mohamed VI. Ce fait que le Maroc est un pays qui est émergent. Il y a aujourd'hui deux challenges. Faire passer la croissance de 4,5% à 7%, 2,5% pour résorber le chômage qui est à 9 points. Et pour ça, l'ouverture des frontières avec l'Algérie, pour nous, c'est 1,5% de PIB. Chaque point du PIB crée 30 000 emplois. Pour eux, les Algériens, c'est 1 point de PIB. Donc c'est un peu moins que pour nous. L'ouverture des frontières va permettre une création de valeur qui est juste incroyable et qui va résorber le chômage dans les deux rives de la Melouia. La CAN 2015, on s'est battu pour l'avoir. C'était un vrai succès. C'est dommage qu'on ne l'ait pas eu. Il y a eu des circonstances qui ont fait qu'on ne pouvait pas organiser cette CAN. L'exécution du dossier était mauvaise. La manière, à mon sens, dans laquelle le ministère de la Jeunesse à gérer le dossier, même d'un point de vue communication, à mon avis, ça aurait pu être mieux fait. Bon, maintenant, il y a des choses qui arrivent, il y a des couacs, c'est pas grave. C'est dommage, parce que ça devait être l'aboutissement d'un processus entre 2010 et 2015, et sur lequel il devait y avoir une vraie fête au Maroc. Regardez la fête qu'il y a eu pour la Coupe du Monde. C'était une fête vraiment sympa. C'est dommage pour la Coupe. Est-ce que le chef du gouvernement doit soutenir les décisions du roi ou appliquer son programme? La question est simple. C'est que dans n'importe quel système organisationnel, quel qu'il soit, il y a toujours un supérieur hiérarchique. Même dans le système, on va dire, religieux, il y a toujours un supérieur hiérarchique. Et le supérieur ultime, suprême, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on est dans un modèle humain qui est où chaque personne a un supérieur. Le chef du gouvernement l'a dit à plusieurs reprises, a beaucoup de déférence et respecte énormément sa majesté. Et donc ça choque beaucoup de gens parce que bon, il était militant, il était opposant. Et puis quand il s'est approché de lui, il a découvert l'homme. Il le dit de manière claire, je respecte sa majesté, et je la fais finement. Il l'a dit. Maintenant, je considère qu'un chef de gouvernement est élu sur la base d'un programme, et que son action doit être basée à délivrer son programme, et qu'au final, c'est les résultats de son action par rapport à son programme et ce qu'il a promis aux citoyens qui va définir lors des élections s'il a réussi ou pas. On verra ce que les exceptions et législatives vont donner. Mais en tout cas, ce que je vois au Maroc aujourd'hui, globalement, il y a des détracteurs, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont d'accord avec la politique du gouvernement actuel. Et je pense que le gouvernement actuel va avoir des scores aux prochaines élections législatives qui vont lui permettre d'être reconduit.
C'est mon idée. C'est mon avis. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais vous savez, en élection, beaucoup de choses peuvent changer. Mais jusqu'à présent, je pense qu'il y a eu des réformes correctes qui ont été faites, notamment la caisse de compensation, une partie de la caisse de compensation. Il reste deux gros sujets. Le dossier des retraites, parce que nous, on va travailler et on va cotiser pour les gens qui ont travaillé avant nous et qui vont aller en retraite. Il y a un déséquilibre qu'il faut très, très, très vite mettre en place. Il y a enfin le problème de l'emploi qui, à mon sens, sera exacerbé d'ici 2016-2017, mais qui, par la suite, va la pression sur l'emploi va baisser parce que la courbe, ou plutôt la structure sociale du pays est en train de changer. Il y aura moins de jeunes qui vont arriver à l'université et donc moins de besoin de création d'emplois de par la politique de gestion de la politique de la famille qui était passée dans les années 80 de 4,2 en moyenne d'enfants à 2 enfants, 2,1, et qui fait qu'aujourd'hui il y a moins d'enfants qui arrivent dans le système du travail à partir de 2017-2018. Est-ce qu'on reçoit des instructions? Quelles sont les limites? Quand on est ministre, on est pleinement responsable de son département. On est totalement indépendant. Mais on a quand même deux choses sur lesquelles il faut faire attention. La première chose, c'est qu'on est membre d'un parti politique. Donc quand on est membre d'un parti politique, on épouse la ligne de conduite du parti. Et donc il y a une restriction par rapport à des choses que si la ligne de conduite du parti n'est pas bonne, c'est pas possible de faire des choses qui soient en dehors de cette ligne. La deuxième, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a toujours un patron. Un ministre, il a un patron. Aujourd'hui, c'est le chef du gouvernement qui préside le conseil du gouvernement. Et c'est Sa Majesté le Roi qui préside le conseil des ministres. Donc forcément, il y a des orientations royales, parfois il y a des orientations du chef du gouvernement, mais dans un but qui est celui de trouver des solutions aux problèmes du pays. Ça vous paraît facile d'avoir de l'électricité, mais aujourd'hui, si on a de l'électricité, c'est parce qu'il y a un ministre de l'énergie qui, il y a quelques années, a mis en place un plan pour qu'on puisse aujourd'hui avoir de l'électricité. Ça paraît facile, simple et anodin, mais croyez-moi, c'est pas évident, parce qu'il faut préparer des textes de loi, parce que il y a lieu de mettre en place une vision, etc., etc. Donc la réponse, elle est simple. Un ministre est totalement indépendant. Il a les pleins pouvoirs pour faire ce qu'il veut. Souvent, il doit partager ses orientations stratégiques avec son boss, au même titre que dans une entreprise. Un directeur d'une fonction, quelle qu'elle soit, ressources humaines, finances, marketing, il a toute la latitude de décider ce qu'il veut. Mais il a un boss qui s'appelle le directeur général. Et ensuite, trois fois par an, il s'assoit dans un conseil d'administration, un comité exécutif, et il doit reporter au chairman. C'est KPI, c'est sa scorecard. C'est la même chose au sein d'un gouvernement, et notamment quand il s'agit d'un gouvernement, il y a un chef de gouvernement et Sa Majesté. Maintenant, en France, voilà, c'est la même chose. Il y a un chef de gouvernement qui est Manuel Valls, ou il y a un chef d'État qui s'appelle François Hollande. Alors, la question de la soirée. Choumani Ben Khaldoun. Bien qu'elle est là. Alors, l'histoire, elle est simple. Il s'agit de deux êtres humains qui se voient, se côtoient souvent, dont la femme n'était plus liée par des liens de mariage il y a 2 ans, et qui sont tombés amoureux l'un de l'autre et qui ont décidé diagnostic, c'est qu'ils ont décidé de se marier. Bien.
Très bien. Alors, la question est une question qui est extrêmement difficile. Quel que soit ce que je vais vous dire, je vais dire une connerie. Mais je vais essayer de trouver une solution. C'est la vérité au moins. Bien sûr, la vérité. Je suis personnellement contre, et totalement contre, et diamétralement opposé à la polygamie. Je considère, à titre personnel, que l'homme est l'égal de la femme et que la femme est l'égal de l'homme à tout point de vue. C'est mon avis personnel. Maintenant, on est dans une société où il faut prendre en compte certaines sensibilités. Ces sensibilités, c'est que nous sommes dans un pays musulman et que la religion musulmane accepte, sous certaines conditions, à l'homme d'épouser plus qu'une femme. Sous certaines conditions. Je considère que la Moudawana actuelle est une bonne Moudawana, parce que je vous assure, j'ai un oncle qui s'est marié à une deuxième femme, sa première ne l'a jamais autorisée, il n'a jamais pu épouser la deuxième. Il n'a pu l'épouser que quand il a eu un enfant avec elle, et donc le juge, la famille, a été obligé d'accepter qu'il l'épouse. Et ils sont toujours, en train de se battre, tout simplement parce que la première épouse a toujours refusé. C'est la réalité de la vie. Bon, maintenant, il y a des choses qui arrivent, même quand on est ministre, ça peut arriver. C'est les réalités de la vie. Il se trouve juste que on doit prendre en compte certaines sensibilités et que par conséquent, quand il s'agit dans une société de gérer dans le cadre de l'halal, on ne peut être que d'accord. Maintenant, je suis diamétralement opposé au fait que la première épouse aille demander la main de la deuxième. C'est ce que je considère une régression de 50 ans, et par conséquent, il faut que les femmes se mobilisent, se battent, pour éviter à ce que ce genre de choses soit accepté dans le cadre de ce que j'appelle une normalité, parce que pour moi, ce n'est pas normal. Entre les choses. Il faut respecter la vie privée des gens. Et ce qu'il faut, c'est toujours faire en sorte à ce que la loi soit appliquée et que les règles de bonne conduite de la société soient appliquées. Dans le cas échéant, question sur les tensions politiques législatives qui arrivent, l'opposition qui parle. Le niveau du débat politique au Maroc a beaucoup baissé. Le niveau du débat politique est devenu un niveau, je dirais même plus, de quel niveau? Ce n'est pas une bonne image de la politique. C'est dû à une chose simple, c'est le résultat de l'école. Donc, on collecte les résultats de 20 ans d'école défaillante. Il faut que le niveau reprenne et que les gens puissent être respectueux les uns des autres, surtout dans une coupole du Parlement qui devrait normalement être sacrée par rapport aux règles de bonne conduite. Donc, je suis d'accord avec vous, c'est déplorable. Oui, dis-moi. Vous êtes un agitateur d'idées et je vous aime. Et je vais vous répondre de la manière la plus sincère possible. D'abord, la distance de l'aîné, qu'on va dire, je suis marié. Vous savez, d'abord, je vais vous dire, le خبز يكون موجود في كل البولانجي وخص لي زوبيتو يكونوا موجودين ومع 6 الصباح لي زوبيتو خصهم يكونوا خدامين
وخص المدارس تكون مفتوحه وخص الطوبيسات تمشى والطاكسيات يكونوا موجودين باش الناس يمشيو من بلاصه لبلاصه وخص مع الغداء الخضره تكون في جميع لي مارشي واللحم والدجاج والبيض والسكر الى اخره وخص القهوات يكونوا محلولين وخص الجرائد تكون موجوده وخص على مدار 24 ساعه البلاد تمشي راه جو فاسور كو سي ني با كوم اون اورلوج وحق الله العظيم الا بوفوار فير سا هذوك وزراء الداخليه ديالنا تيحماقوا C'est la vérité. Pourquoi ? Parce que, en tant que ministre d'intérêt, ils sont dans l'obligation de faire fonctionner tout ça. Et dans chaque secteur, à les boulangers qui considèrent qu'ils n'ont pas assez de marge, à les taxis qui considèrent que Internet est en train de leur faire de la concurrence de loyer, à les médecins qui quittent le ministère pour aller travailler dans le privé parce qu'ils considèrent qu'un ministre leur a donné du temps plein aménagé il y a 10 ans. À le syndicat supérieur de l'éducation qui considère qu'il veut une augmentation de salaire. À le pisserie qui considère qu'il n'a pas assez de marge sur le potagas. À le grossiste qui considère que avec d'arrivage à votre soirée, etc., etc., etc. Et qui fait que pour faire fonctionner un pays, croyez-moi, il faut une organisation. Et donc le rôle des ministères est un rôle important, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'est eux qui font que ça marche et ça fonctionne tous les jours, sous l'orchestration du ministre d'intérêt. Et donc je pense qu'il faut qu'il y ait des ministères. Par contre, il faut qu'il y ait une meilleure gouvernance et une meilleure proximité aux citoyens. Le mouchkil l'indek, haqiq, c'est que, en tant que citoyen agitateur d'idées, vous voulez parler à un responsable et vous n'arrivez pas parce qu'il n'est pas accessible. Et donc, si tous les ministères pouvaient s'ouvrir à travers Facebook, à travers Twitter, à travers plus d'ouverture sur les citoyens et que les citoyens pouvaient aussi faire un effort, je pense que ça aiderait beaucoup. Et là, c'est une question de temps, c'est une question de génération. Là, j'ai un peu dédramatisé la fonction de ministre. Moi, j'avais enlevé ma cravate en live sur un plateau de télévision. Hein. Je suis allé sur Internet. Donc, je n'étais pas un ministre normal, j'étais un ministre un peu space. Mais c'était nouveau, alors c'était choquant. Et donc, là, aujourd'hui, ça commence à devenir normal. Là, ça va changer, ça va arriver. Pourquoi ? Parce qu'il y a des jeunes qui réfléchissent comme ça et comme vous, qui sont en train d'arriver. Je vous assure que c'est vrai. Walakin, je vous lis à. مخصناش الوزارات لانه ال سيرف ا ريان سي با فري راه باش تمشي بلاد كخوي مو لا ريسبونسابيلتي اي لوط وباش تمشي بلاد في امان في استقرار لا ريسبونسابيلتي اونكور بلو كخوي مو عندنا سيدنا وعندنا مي سي كوم سي فوم ديت رونو غادي يكون فيها كارلوس غوس وهذوك لي ديريكتور كلهم نحيدوهم غادي يكون كارلوس غوس مع 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 سو كي فابريك دي فواتور لا سي با بوسيبل Alors, il reste deux questions. Soutien au gouvernement pour le 40e anniversaire du SAR. Vous avez, dans votre question, utilisé le mot fax trois fois. C'est une connerie. Il faut utiliser le mot email. Je vais vous donner mon email. Email. Parce que l'avantage du email, c'est que ça laisse de la traçabilité et on peut forwarder. Je vais vous donner mon email et mon email, je vais forwarder votre mail au ministre des Affaires étrangères. Et je suis sûr que si vous aviez envoyé l'email à Sishakim, il l'aurait forwardé avant moi. J'en suis certain. On n'a pas son adresse. Oui, justement. Il a été écouté par un conseiller de l'ambassade qui m'a transmis l'information tout à l'heure. Ça fait très bien. Donc c'est en cours. C'est en cours. C'est bon. Mais bon, l'histoire du mail par rapport au fax, croyez-moi, c'est plus efficace. Alors, last but not least, Dieu donnez-moi. Moi, un an, je suis contre Charles. Pourquoi ? Parce que je considère. Je considère.
considère que la liberté d'expression est quelque chose de sacré dès lors qu'on ne touche pas à la liberté des autres. Charlie a touché à la liberté de tous les musulmans de manière profonde. Donc autant je suis pour la liberté de la presse, je suis pour la liberté d'expression, autant je considère que Charlie m'a blessé. Je ne suis pas pour les actes qui ont eu lieu à Paris. Je suis contre les actes qui ont eu lieu à Paris. Parce que je considère qu'on ne répond pas à la violence par la violence. Donc je suis contre le terrorisme. C'est clair. Maintenant, pourquoi j'ai commencé ma première partie de la réponse pour parler de Charlie et du terrorisme? Tout simplement parce qu'au Maroc, nous sommes un pays de 35 millions d'habitants et nous avons à peu près 500 à 600 000 Marocains de confession juive qui sont des Marocains comme nous et que je considère comme étant des égaux à tous les Marocains avec les mêmes droits et les mêmes obligations. C'est des compatriotes et par conséquent, je suis, comme je suis contre Charlie, je suis contre n'importe quelle personne qui pourrait blesser ses compatriotes. Les blesser dans leur acquis de dialogue. Maintenant, on peut dire que Dieudonné, c'est un artiste, il fait de l'art. Comme on peut dire que Charlie sont des artistes, ils font de l'art. Mais si je prends la position contre Charlie, je suis dans l'obligation de prendre une position contre Dieudonné par rapport à ça. Donc ma position, elle est claire, simple et précise. Pourquoi laisser quelqu'un blesser dans mon pays des compatriotes? Ça n'apporte absolument aucune valeur ajoutée. Et donc, je considère que la décision qui est celle qui ne puisse pas se produire est une décision qui peut être acceptée, normale et comprise dans la plupart des gens. Oui, au même titre que Charlie a fait de l'humour en dessinant et en caricaturisant notre prophète. Et donc, les modernistes considèrent que c'est de l'humour et c'est de l'art. Je considère que c'est une insulte, à titre personnel. Donc, au même titre que je prends une position claire par rapport à Charlie, je prends une position par rapport à Charlie. Merci. Je vous invite à rejoindre le cocktail et on vous donne rendez-vous demain. La suite est